I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine, while he stands tall and walking proud. That look you give, I got, I wanna see. Looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd never let you down. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue, tu as du satin et j'en dors plus. Viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Hello, je parle pas fort parce que je suis la seule à être levée et qu'il est assez tôt, il est 8h15. Moi je me suis levée il y a une demi-heure pour vous commencer un petit vlog. Donc on est lundi combien ? 24 janvier. Et je me suis dit que j'allais vous prendre sur la semaine. Alors je pense pas aller jusqu'à vendredi, parce que vendredi il faut tout simplement que je le monte pour qu'il soit en ligne dimanche, et vous savez que j'essaye de me tenir au fait de ne pas faire de montage le week-end. Donc je pense vous prendre jusqu'à jeudi, 4 jours, un petit vlog lecture, parce que, alors déjà parce que ça fait longtemps et parce que en ce moment mon rythme de lecture est un peu bizarre, c'est à dire que depuis début janvier j'ai lu un livre, j'ai réussi à lire Kelleana, et c'est un livre que j'ai adoré, mais justement en fait je me dis t'as adoré et pour autant t'as mis presque 22 jours à le lire, donc je me dis c'est pas terrible. Avec le nombre de livres que j'ai, je peux pas me permettre de rester 25 jours sur un livre, et du coup je me suis dit la semaine dernière justement que ça pourrait être bien de commencer un petit vlog cette semaine, parce que je sais que quand je vlog ça me donne envie de lire, de m'octroyer plus de temps de lecture pour vous parler des livres justement. Du coup là ce matin je me suis réveillée donc à 7h30, 7h45. Je commence à chaque fois la journée avec mon petit planeur pour voir un petit peu ce que j'ai à faire dans la journée, et souvent il y a des choses que j'ai oublié de noter, donc je remets tout à jour le matin. On doit aller en ville, on doit aller à Butte, parce que je sais pas, pour ceux qui me suivent sur Insta vous savez, on a un nouveau canapé, enfin vous ne verrez plus les plans pourris du canapé qui s'effritait, il était horrible, j'en pouvais plus, et il perdait tout son simili plastique par terre, donc il y avait des morceaux noirs de canapé partout, donc on a profité des soldes pour s'en acheter un, il était temps. Mais le nôtre a un défaut sur l'un des, enfin à l'intérieur de l'autre côté là-bas, il y a des petits trous dans le tissu. Donc on l'a acheté il y a une semaine, et ça fait une semaine qu'on essaye d'avoir le magasin pour voir ce qu'ils peuvent faire. À chaque fois ils disent oui on vous rappelle cet après, mais toujours on a renvoyé des mails, on les a eu 3-4 fois au téléphone, on n'en peut plus. Donc aujourd'hui on va aller au magasin, mais je vais leur demander ce que c'est ce bazar quoi. Genre, on a déjà attendu à 1h30 pour récupérer le canapé une fois qu'on l'avait choisi au dépôt, juste parce que il y avait un manque d'effectifs, donc ça c'est pas de leur faute, enfin c'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne non plus, mais... Et là on arrive chez nous, on l'a déballé, on avait fait plein d'allers-retours parce que j'ai pas une voiture conçue pour un canapé. Et on est arrivé là et on voit qu'il y a des trous, on les a appelés de suite, ils nous ont dit d'envoyer un mail avec les photos, on l'a fait, on n'avait pas de réponse, j'ai relancé le lendemain, on a rappelé, ils ont dit que la collègue était pas là, donc on a dû re-rappeler le lendemain. Enfin bref, elle a dit oui je vous appelle sans faute à 14h, ça c'était vendredi, on est lundi. Donc aujourd'hui on va aller au magasin directement, donc on va se débrouiller avec ça ce matin, et après on aimerait passer à Cultura parce que c'est juste à côté, vous comprenez, genre on peut pas ne pas y aller. Et donc après j'aimerais beaucoup lire, d'ailleurs ma lecture en cours, mince c'est mon trépied actuel, tant pis. C'est celui-là, oh c'est très assorti à mon pull. C'est Prospérine virgule point, j'ai dépassé la moitié hier soir, donc j'ai un meilleur rythme que quand je lisais Kelleana. Mais voilà, je me suis dit que ce petit vlog ça pourrait être l'occasion, dans l'idée j'aimerais beaucoup le finir et en commencer un autre pour vous parler d'un autre livre, mais voilà je me rends pas trop compte de ce que je vais pouvoir faire sur 4 jours, d'autant que cet après-midi à 15h30 j'ai une réunion Zoom pour un rendez-vous. Demain pareil, dans la matinée à 10h30 j'ai un appel en visio, mais bon ça devrait pas durer longtemps, enfin je pense que cet après-midi en 3 quarts d'heure, 1 heure peut-être ça devrait être terminé. Voilà, donc écoutez, là je me suis fait mon petit thé, d'ailleurs c'est du thé que j'ai eu à Noël, parce que je vous avais fait ma vidéo cadeau de Noël, mais on n'avait pas vu mon frère
et ma belle-sœur du coup qui n'était pas là puisqu'ils avaient Covid à Noël, donc on l'a fait le week-end dernier. Et donc j'ai eu quelques petits cadeaux, notamment j'ai eu 4 sachets de thé et rooibos. Donc celui-là, j'ai déjà goûté, c'est une tuerie. Ça c'est du rooibos, il est marqué pecan pie, donc genre il y a des noix de pécan, des amandes et tout, il est délicieux. J'en ai goûté que 2 sur 4 pour l'instant sur ceux qui m'ont offert, mais du coup je me reprends celui-là ce matin, mais j'en ai eu 4. Et j'ai eu une petite plante que j'ai appelée Simone, qui est là-bas, que je vous montrerai aussi. Et on a eu un jeu de société pour Tristan et moi. Donc voilà, ça c'était le week-end dernier. Et donc voilà, donc là je vais me boire mon petit thé que je me suis pris. Et je vais répondre à quelques commentaires YouTube en même temps, parce que je crois que j'ai réussi à presque rattraper mon retard. Donc il me reste, franchement j'ai quasi fini, il me reste une vingtaine de commentaires à terminer de répondre. Donc je vais faire ça là en buvant mon thé, et après je vais me mettre à ma lecture en attendant que Tristan se lève. On est rentré du coup, il est quelle heure? Il est 11h30, ouais, on y a passé une heure. Donc on a d'abord été à Cultura, vous avez vu, je vous ai mis des petits plans et Tristan a racheté 5 tomes de La Roue du Temps, c'est la saga qu'il est en train de lire en ce moment. Et on est en train de voir aussi la série sur Netflix en même temps qui est trop bien, pas Netflix d'ailleurs, Amazon Prime, et elle est trop cool. Donc voilà, il a été s'acheter la suite. Et moi je me suis pris un petit livre de poche, je savais que je le voulais, c'est le livre où je suis entrée en Cultura, j'ai dit je vais m'acheter celui-là. Et c'est Miracle Morning, si on fait à l'anglaise, de Hal Elrod, et c'est un livre de développement personnel, donc il sort complètement de ce que je lis habituellement, mais j'en ai entendu tellement de bons avis. Il est petit, je l'ai pris en poche, c'est cool, je pensais pas qu'il était sorti en poche. Et c'est un livre de développement personnel qui a priori donne plein de conseils sur... voilà, le fait parfois de se lever plus tôt et de faire certaines choses qui donnent l'impression que notre journée est beaucoup plus productive ou quoi. Enfin, donne l'impression, non, qui donne l'impression, qui te permet que ta journée soit plus productive, ou en tous les cas, c'est ce que j'en sais. Écoutez, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. J'ai pris celui-là et je voulais également vous montrer un truc que j'ai reçu. Vous allez vous dire, mais la meuf, elle va avoir 12 robots chez elle à force. Je vous avais déjà montré mon robot aspirateur. Mais là, j'ai reçu un petit robot. Il est tout petit à côté, il est comme ça. La boîte se présente comme ça. Vous voyez, c'est un petit robot qui est rond comme ça, avec le petit cœur, c'est la charge. Et ça s'appelle EBO. Là, c'est le EBO SE. Et en fait, c'est un petit robot caméra que nous, enfin, en tous les cas, moi, on me l'a présenté comme pouvant filmer les chats. En fait, il se met... Alors, attendez, je vais vous montrer. Il se met au sol. Vous voyez, il a un petit support comme ça. Il est juste là, il est en train de charger. Et donc il se présente vraiment comme ça, comme une petite boule.
Attendez, je vais le mettre dans le sens, voilà, comme une petite boule, avec en dessous, bah, ça peut se déplacer. Vous mettez l'application sur votre téléphone et en fin de compte, vous voyez une petite caméra et donc il peut se balader dans la maison. On s'est déjà dit avec Tristan quand on partait en week-end, on va très souvent donc soit chez mes parents, soit chez les siens et Jazz reste en intérieur pour plusieurs raisons. Banzai reste dehors, mais Jazz reste enfermé à l'intérieur et il y a des fois où on se dit on aimerait bien voir ce qu'il fait ou en tous les cas s'il se sent seul ou s'il fait des trucs en particulier. Et on avait déjà dit en rigolant, faudrait trop mettre une caméra pour filmer les chats. Je pense que je suis pas la seule. On n'est pas les seuls à se dire qu'est-ce que font nos animaux quand on n'est pas chez nous. Et là, du coup, bah, quand on me l'a proposé, j'ai dit vas-y, go, on va tester. Et en fait, vous mettez l'application sur votre téléphone. Et donc, vous voyez, par exemple, là, si on est comme ça, là, c'est dans la maison. D'ailleurs, on me voit. Regardez, je vais me rediriger. Du coup, c'est un peu Inception, ce truc. Là, je vais m'accroupir devant le téléphone, la caméra. Vous voyez, coucou, on me voit devant. Et du coup, bah, après, avec mon téléphone, je vais pouvoir me balader et aller voir les chats. Alors là, les deux chats sont dehors. Mais du coup, la qualité caméra est quand même vachement bien. Et ce qui est trop cool, on a fait le test avec Tristan. En fait, lui, il est resté à l'intérieur de la maison. Moi, je suis sortie avec ça. Donc, je me suis baladée avec le petit appareil dans la maison. Et au début, Banzai est super peureux des bruits. Donc, il allait se réfugier sous le canapé. Et justement, j'ai pu aller le voir sous le canapé avec la petite caméra. Et en fait, il y a une fonctionnalité qui permet de parler. Il y a un micro. Et donc, je lui parlais, je disais coucou Banzai, moi je le voyais sur ma caméra et donc le petit robot lui parlait et franchement les voix sont pas du tout, je me disais c'est des fois ce genre de truc, les voix sont grave déformées ou genre, mais là en fait non, c'est hyper bonne qualité et Banzai du coup s'est rapproché du robot donc il avait beaucoup moins peur en entendant nos voix. À un moment donné où ils marcheront par terre ou alors où ils seront allongés sur le tapis ou quoi, je le ferai. Là ça enregistre ce qui se passe et vous voyez après on peut se balader, d'ailleurs là on voit Tristan. Là, bah, là, il y a le soleil, voilà. Bon, il y a du linge qui sèche, hein, vous voyez toute la maison, coucou les chaussures. Et vous voyez, après, on peut le diriger et voir les chats. Si, on peut voir si la maison est propre ou sale, ça c'est parfait. Enfin, mais là, les chats sont pas dans la maison, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais je vous remontrerai plus tard quand les chats seront dans la maison. Coucou. Donc vous voyez, la qualité caméra est quand même pas mal du tout. Donc voilà, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Bon, ce que vous voulez, c'est juste que je trouvais le concept assez cool. Et si vous êtes comme moi et que vous avez chat ou chien ou même autre, peu importe, quand on part, ça peut toujours être drôle de pouvoir avoir un petit lien avec l'animal comme ça et de pouvoir vous balader pour parler à votre chien ou pour voir un petit peu ce qu'il fait, etc. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être curieux de voir ça. Donc bah, écoutez, moi ça me fait bien rire et bah, je vais le laisser recharger. Du coup, il est 11h30. Moi là, je vais me remettre à ma lecture de Prosperine. J'ai un peu avancé ce matin. J'aime trop. En fait, je vous ai même pas fait de résumé ce matin. Attendez, je vais vous poser. Vous êtes un peu près de ma tête là quand même. C'est une sorte de cozy mystery. J'en avais jamais lu en fait, mais c'est vrai que c'est un genre assez particulier parce que c'est une histoire où va y avoir à un moment donné un meurtre, mais genre en fait on est hyper bien dans cette histoire donc c'est un peu bizarre le sentiment parce que c'est pas genre ambiance polar et tout. Et donc on va suivre Prosperine qui vit dans la ville de Demimo. Tout leur travail c'est le fait de polir les lettres, d'astiquer les lettres qui sont dans les livres en fait. Bon après je vous détaille pas trop parce qu'il y a plein de choses qu'on découvre dans la lecture, mais vraiment ça tourne vraiment autour de l'univers de la littérature et donc c'est un roman fantasy mais vraiment hyper original dans sa forme et dans son fond finalement. Vraiment une mise en page qui est hyper originale, des fois il y a des pages noires, des fois il y a du texte qui penche etc. Mais ça a toujours un lien avec l'histoire et avec ce qui est en train d'être dit. C'est pas juste une mise en page originale mais qui n'a aucun rapport avec le texte, vraiment c'est les deux vont hyper bien ensemble. Du coup il va y arriver quelque chose, enfin en tout cas Demimo, le village où Prosperine vit, va être en danger et il y a également un meurtre comme je vous disais et donc ça va être un petit peu toute cette enquête où Prosperine va mener l'enquête pour voir comment elle peut sauver le village où elle vit depuis toujours et puis bah, résoudre ses meurtres aussi parce qu'ils ont directement été classés en mode mort naturelle, sauf que bon elle est persuadée que c'est pas une mort naturelle et donc elle va mener l'enquête et c'est hyper cool. Franchement l'univers est tellement original et ouais je vous dis c'est une ambiance assez particulière. C'est un peu ce genre de livre qui est un peu inclassable où j'arriverais pas trop à le mettre dans un genre particulier. Franchement je pressens même le petit coup de cœur donc on va voir si mon premier coup de cœur de l'année 2022 est bien en janvier, mais ouais j'aime beaucoup. J'ai dépassé les 60 ou 65% je crois, donc ben, je vais me remettre à ma lecture et puis ben, je vous en dirai plus dans ce vlog quand j'aurai avancé. Je vous retrouve, il est 14h passé et en fait je mange, donc je mange assez tard. J'ai lu et puis je me suis effondrée de fatigue. Normalement c'est plutôt l'inverse, je mange et j'ai toujours une sieste et ça pareil au début, quand j'ai commencé à bosser de chez moi, j'étais un peu en mode non mais faut pas que je fasse une sieste genre tous les jours et tout, puis en fait je me suis rendu compte que genre de toute façon si je luttais pour ne pas dormir, ben, après l'après-midi genre je suis plus fatiguée. Donc je m'autorise à avoir cette sieste là en début d'après-midi, mais là c'est vrai que j'ai fait l'inverse, normalement je la fais après manger. Du coup j'ai été à la boîte aux lettres, j'ai reçu un petit colis, je ne sais pas ce que c'est et à la fois je sais ce que c'est. Enfin en fait j'ai une abonnée qui est venue, bah, l'une d'entre vous, Megan si tu passes par là, merci parce que je pense que c'est toi qui est venue me demander bah, si elle pouvait m'envoyer un petit cadeau et merci à toi d'avance. L'attention me fait trop plaisir franchement, donc bah écoutez je vais ouvrir et puis on va voir ça. Elle m'a dit tu comprendras en ouvrirant,
je suis encore fatiguée. Elle m'a dit tu comprendras en ouvrant. Eh mais je vais pas y arriver. What? Ben, non mais attendez, parce que du coup elle m'a pris donc un livre donc, qui est sorti un petit moment et qui me faisait envie parce que c'est une sorte de thriller, mais c'est surtout que sur son mot, il y a marqué j'espère qu'il te plaira, même si de base ce n'est pas lui la surprise, il y a moyen que tu reçoives la commande en deux morceaux, la vraie surprise est dans l'autre. Mais, enfin... Alors c'est trop gentil, mais genre déjà je trouvais qu'un cadeau c'était genre... Bon bref, du coup c'est Kimon, mais... Donc bah du coup il va y avoir un deuxième colis, donc peut-être avant la fin de ce vlog. Mais je suis trop touchée, merci beaucoup Megan. Mais déjà je me disais, un cadeau c'est genre trop gentil. La vraie surprise dans l'autre. Écoute, bah merci beaucoup. Du coup c'est Kimon. Alors il est sorti un petit moment aux éditions Nathan, c'est un thriller puisqu'il me semble qu'on est... Ouais c'est ça. En fait ils sont en heure de colle ou ils sont en heure d'études? Non, en heure de colle. Et ils sont je crois 5... 5 copains, et en fait, enfin 5 copains, en tous les cas 5 étudiants, l'un des 5 qui va être retrouvé mort, et donc ben, potentiellement c'est l'un des 4 survivants qui est responsable. Donc c'est un thriller young adult, il est trop agréable en main, je l'avais jamais eu, il est tout fluff. Donc en tous les cas, ben, merci beaucoup, parce que genre je m'attendais pas du tout, et puis ben, c'était déjà adorable, c'est déjà trop bien, merci à toi Megan. Et du coup bah, j'ai hâte de voir ce qu'il y aura dans le deuxième, mais franchement trop gentil, trop gentil. Mais j'avais entendu beaucoup de bons avis, donc bon allez je finis mon petit repas, quiche épinard raclette, on a fait ça l'autre soir et du coup c'est les restes de ce midi. Et bah, je vais lire un petit peu avant le... dans une heure du coup j'ai le visio comme je vous disais ce matin, donc à 15h30. Donc je vais lire un petit peu et il faut aussi que j'envoie un mail, faut que je pense envoyer un mail. Ah d'ailleurs j'ai aussi un truc sur la boutique de bougies à faire qu'il faut que je pense aussi à faire, j'ai même pas marqué dans mon planner. Bon bref, et je vous reprendrai plus tard du coup. Ce que je trouve super satisfaisant, c'est à chaque fois que je reçois un livre de l'ajouter à ma petite bibliothèque. Pile à lire, voilà. Il est bien rangé, bien au chaud. Alors je vous retrouve, il est 14h20, il fait super beau aujourd'hui, il y a un grand soleil dehors, bon on voit pas trop, mais voilà, alors je vous ai pas trop repris depuis tout à l'heure parce que bah, comme je vous ai dit, j'avais deux devis à envoyer, donc ça c'est trop cool pour peut-être des collabs qui vont venir, et du coup je suis trop contente parce que bah, c'est vrai qu'en depuis que je m'étais lancée, octobre, novembre, décembre, ça avait été, y avait eu un bon rythme, et là je suis contente de voir qu'en janvier ça redémarre bien, avec 2-3 propositions de collabs la semaine dernière, donc voilà, là j'ai terminé d'envoyer des devis, j'avais un truc à voir sur le chaudron des senteurs pour la boutique avec une cliente, pareil j'ai eu 2 propositions aussi, donc j'ai géré ça tout à l'heure. J'ai encore un peu avancé dans ma lecture, mais bon finalement j'ai pas trop pris le temps parce que j'avais aussi un peu de compta à finir, comme la fin du mois approche je voulais refaire tout un truc dans mes tableaux Excel, enfin bref je repoussais depuis un moment, du coup voilà. Et bah là il est 15h20, donc je suis en train de m'installer dans la bibliothèque pour faire le call, et bah écoutez je finirai après parce que regardez où je suis dans ma lecture. J'ai quand même, ça se lit hyper bien, je suis trop à fond. Donc après le call, 15h30, je me dis peut-être 16h15, 16h30, je me rends pas trop compte. J'aimerais finir un dernier truc après, et après je pense que je pourrais finir par lire. De toute façon, comme je vous disais, j'avais fait un vlog avec mes journées types, et c'est vrai que c'est assez aléatoire. Des fois j'ai des journées où je vais avoir pas mal le temps de lire, et parfois bah, je vais pas trop avoir le temps. Après le vidéo, j'aimerais faire une photo du coup pour Prosperine, parce que j'aimerais la poster sur Instagram si je finis ma lecture aujourd'hui, sinon ce sera demain. Alors je vous reprends, il est 16h10, j'ai fini l'appel et j'allais me remettre à ma lecture de Prosperine, et puis je suis allée à la boîte aux lettres, j'y vais genre souvent 2-3 fois dans la journée, bon sauf quand j'y vais que à 17h, mais très souvent j'y vais une fois le matin, une fois en début d'après, mais une fois en fin de journée pour être sûre, parce que il y a 2 rounds, voire même 3 parfois. Donc là écoutez, on va ouvrir ça, j'ai vu que ça venait de Pocket Jeunesse, je crois savoir ce que c'est, d'autant que j'ai vu ce matin dans les partenaires PKJ qu'il y en a qui l'avaient reçu. Ah oui, il y a un petit truc en plus du livre. Bon, votre vue n'est pas très intéressante, mais voilà, je vais vous montrer comme ça. Alors, oui, regardez là. Oh, j'avais trop hâte de le recevoir. Donc c'est un livre qui sort le 3 février, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais regarder. Ah, mais il y a même un marque-page et tout. Ah non, c'est une clé. Oula, attendez, il y a une petite clé comme ça. Je l'ai repéré depuis bah, plusieurs semaines, depuis qu'il a été annoncé. Et franchement, il me fait trop envie. Bah, déjà, moi, en fait, la phrase « que les jeux commencent », c'est bon.
c'était fini. En plus, ça fait très Hunger Games, je trouve, dans l'idée et tout. Donc, on va suivre une lycéenne qui rêve d'avoir une bourse d'études pour entrer à l'université. Et puis, elle va rencontrer un célèbre milliardaire qui va lui léguer sa fortune. Elle n'a jamais entendu parler de cet homme, donc elle se pose des questions, j'imagine. Et pour toucher sa part d'héritage, elle doit, par contre, emménager dans une mystérieuse demeure. Voici la clé. Après, j'imagine qu'il va y avoir des énigmes et des épreuves et des jeux dans cette maison bizarre. Donc là, on a la petite clé. On a une sorte d'enveloppe. Testament de Tobias. Après, on a également ça. Ça a même l'air d'être le plan de la maison. Trop bien. Oh, j'adore ce genre de truc là dans les petites... Avec les livres qu'on reçoit, je trouve ça trop stylé. Les gars, ils ont un bowling dans leur demeure, quoi. Ça rigole pas. Après, bah, là-dedans, je vais ouvrir quand même. Bon, après, je vais pas tout vous lire parce que genre, ça a l'air assez long, ce qu'il y a dedans. Yeah! Où est passée ma force? Bah, tu te calmes, toi, par contre. Tristan, il fait. Genre, elle a jamais eu de force, celle-là. Oh là, oui. Oh là, oh là. Oui, bon, c'est une lettre comme ça. Bon, j'imagine pour nous plonger encore un peu plus dans l'ambiance du livre. Franchement, celui-ci, il y a moyen qu'il fasse partie de mes prochaines lectures. Dites-moi s'il vous fait envie aussi, mais. Bon, écoutez, je vais retourner à ma petite lecture de Prospérine. Je vous reprends, il est 18h. Terminé, Prospérine. À l'instant. Du coup, enfin, il y a 5 minutes. Et. Premier coup de cœur de l'année 2022, je suis trop contente, franchement j'ai trop kiffé, c'était vraiment trop cool et je suis trop contente de l'avoir lu maintenant. En plus je me suis rendu compte, et ça j'y avais pas pensé en le commençant, je me suis rendu compte qu'il faisait partie des livres que je voulais lire en 2022 dans ma vidéo de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours, je sais pas quand vous verrez ce vlog, des 12 livres, enfin 13 livres qui m'avaient été choisis par 13 personnes différentes, et du coup celui-ci c'est Tristan qui m'avait choisi, et bah du coup ça me fait en plus avancer dans ce petit challenge sur l'année, donc je suis trop contente. La plume, je l'ai trop kiffé, et d'ailleurs je vais tout de suite ajouter le deuxième roman de l'autrice dans ma wishlist. Et la plume, l'originalité de l'univers, de la mise en page, les personnages, je les ai trop kiffés, et puis c'était tellement atypique et ouais, en fait c'était vraiment du assez innovant et atypique comme truc. C'est pas le genre de livre que j'ai lu souvent, voire même c'est la première fois que j'ai lu un livre comme ça, et du coup bah j'ai tout aimé. Le petit côté quand même bah, résolution, enquête, un peu à la polar et tout avec les meurtres, et quand même le côté bah, hyper fantaisiste et enfin ouais vraiment hyper original avec ces personnages et tout qui tourne dans l'univers des livres et du vocabulaire littéraire, etc. C'était trop trop bien, et à la fin j'avais des frissons partout et tout, j'avais trop les larmes aux yeux, c'était trop cool, j'ai trop kiffé, et j'avais même pas envie que ça se termine, je disais à Tristan j'ai pas envie d'arriver à la fin. Ouais, j'ai trop aimé, et petit coup de cœur 2022, donc bah trop contente parce que l'année 2021 mon premier coup de cœur est arrivé au mois de juillet. Là, janvier, c'est un peu mieux. Non, mais vraiment, trop bien. Donc du coup, bah écoutez, il passe de la case pile à lire. Oh là, il fait super sombre d'un coup. Attends. Il passe de la petite pile à lire à... je vais le ranger quelque part dans la bibliothèque, je vais faire ça tout à l'heure. Et du coup, bah, je vais me choisir ma prochaine lecture. J'avoue que je pensais pas le terminer aujourd'hui. Enfin, après, j'étais tout juste à la moitié ce matin. Donc, mais bon, j'ai quand même eu pas mal de temps cet après-midi pour lire. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de fois où à chaque fois, je me déconcentre rapidement pour lire et j'ai du mal à rester plusieurs heures sur un livre, et là vraiment après le visio de tout à l'heure j'ai pas décroché, j'ai fait que lire, donc bah du coup j'ai pu le terminer. Bah écoutez, je vais me choisir ma nouvelle lecture. Bon, je viens de choisir, et c'était le seul livre qui n'était pas dans ma bibliothèque. Bah du coup je vais lire celui que j'ai reçu tout à l'heure en fait, parce que bah il me fait trop envie, et puis que bah je préfère le lire avant de voir plein d'avis en fait. Donc bah écoutez, je vais le lire, et puis c'est tellement je galère parfois tellement à lire des livres dès leur sortie, parce que bah j'en reçois beaucoup, et très souvent bah, je les mets dans ma pile à lire et je les lis du coup bien après la sortie, que du coup bah là je vais le découvrir avant qu'il sorte, et comme ça normalement ce vlog sort le 30 janvier, donc bah je pourrais au moins avoir mon avis avant sa sortie puisqu'il sort le 3. Et puis bah voilà, moi il me fait oui, merci, Panza il veut sortir. Tu veux sortir? Alors je vous reprends pour un dernier petit plan de la soirée. Il est 20h40 et Tristan est allé escalader, il va escalader deux fois par semaine. Donc là j'ai encore à peine 2 heures, 1h30. Une heure et demie avant qu'il rentre, et du coup j'ai bien commencé mon petit livre, je suis à la page 75. Pour l'instant j'aime bien, mais j'attends vraiment que ça démarre, parce que là en fait ça fait très
Bah, très contemporain, histoire de vie. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas ce petit côté jeu auquel je m'attendais. Pour l'instant, on suit juste une jeune fille qui vit un petit peu dans la misère quand même avec sa sœur. C'est un petit peu compliqué. Et un jour, elle reçoit la visite d'un jeune homme et elle est convoquée dans une espèce d'énorme maison et elle hérite de la quasi-totalité de la fortune d'une personne qu'elle ne connaît absolument pas. Et elle doit vivre dans cette immense baraque avec du coup bah, tous les héritiers, les logiques héritiers de la personne qui est décédée, qui ne comprennent pas pourquoi c'est elle qui hérite alors qu'elle ne connaît même pas cette personne. Donc pour l'instant, ça s'installe doucement. C'est juste qu'il n'y a pas encore ce petit truc qui me captive à fond, juste curieuse de se dire pourquoi elle, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai pas encore ce petit truc qui me fait dire que je suis à fond dans ma lecture. Donc je vais encore continuer un petit peu. Et je pense qu'après, je vais regarder un petit épisode de série. Je suis toujours dans Once Upon a Time que j'avance tranquillement. Avant, j'avançais quand même beaucoup plus vite parce que c'est quand je faisais mes bougies tous les mardis. Je me mettais un épisode, mais vous savez que maintenant j'en fais beaucoup moins. Et c'est un revisionnage, j'avais déjà été jusqu'à la saison 6 avec Tristan, et puis on avait arrêté parce qu'on trouvait que ça partait un peu trop loin, mais en fait j'ai trop déçue de pas connaître la toute fin, donc je me suis dit, allez, tu reprends tout, et là t'iras jusqu'à la fin de la série. Donc voilà, donc là je vais lire encore un petit peu, je regarderai un épisode, et puis quand Tristan rentrera, on mangera et on se fera un petit épisode de La Roue du Temps, comme je vous disais. Il nous en reste 3 avant de terminer la saison 1. Voilà, et puis après je vous reprendrai demain pour la suite de ce petit vlog. Hello! Deuxième jour de vlog, on est mardi et il est 9h30. J'ai un peu plus galéré qu'hier à émerger ce matin, mais du coup là on est en train de prendre le petit déjeuner et après, bah, comme je vous disais hier, dans une heure j'ai un appel du coup avec une maison d'édition et il faudrait également que j'appelle, bah, toujours cette histoire de canapé que je vous ai expliqué hier matin, là c'est le directeur du magasin qu'on va avoir, donc bah, pour voir soit avoir une réduction sur le canapé qu'on a comme il est abîmé, ou soit pouvoir faire un échange, mais tout en étant que ce soit eux qui nous livrent, parce que franchement nous ça nous avait pris un après-midi, on avait dû faire 2 allers-retours avec ma voiture parce que il logeait pas en une seule fois, donc ça nous avait pris vachement de temps quoi, surtout que là-bas au dépôt on avait attendu genre une heure et tout, enfin c'était infernal, donc là je vais devoir appeler le directeur. Je vous retrouve, en fait il est 10h parce que j'étais à la boîte aux lettres et j'ai un paquet, et du coup ça doit être la suite de ce que Megan m'a envoyé hier, donc écoutez, on va ouvrir ça tout de suite et je vois que j'ai plus de batterie, donc je vais faire rapidement pour aller ensuite recharger mon appareil photo pour vous prendre après le call. Oh non, je suis trop contente. Ah mais non! Oh là là, trop trop bien! Pour ceux qui ont vu ma vidéo des sorties du mois de janvier qui m'intéressaient, je disais que c'était celui-là qui me faisait le plus envie avec un autre de chez Lumen. Mais non, mais je suis trop contente! En espérant que tu ne l'aies pas déjà acheté, et au cas où, voilà un second livre. Bon, du coup, c'est celui que j'ai reçu hier. J'espère qu'il te plaira autant qu'à moi de la part de Megan. Ah non! Je suis trop trop contente! Merci beaucoup Megan! Oh là là! J'ai trop envie de le lire maintenant. Regarde! Tu sais, je t'en avais parlé, là, les sœurs qui sont séparées à la naissance et qui sont... Ah mais trop contente, la couve est trop jolie, j'adore. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et les filles de mon âge se promènent dans les rues de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux. Alors, je vous retrouve, il est 11h pile. Enfin, quand je me suis lancée à 100%, j'avais annoncé 2 vidéos par semaine. Et en fait, je me rends compte que parfois, certaines semaines, et notamment là, quand je filme un vlog et que je vais avoir beaucoup de montage à faire, certaines semaines, c'est pas forcément jouable et facile pour moi de filmer 2 vidéos. Et en fait, j'ai l'impression un petit peu parfois de courir après le temps en mode il faut que je filme pour demain, il faut que je monte. Et ce sentiment est pas très agréable. D'autant que je sais que 2 vidéos, ça peut aussi être beaucoup pour certains d'entre vous, même si je sais qu'il y en a certains d'entre vous aussi qui regardent les 2 vidéos. Donc, écoutez. Il y aura, mais de toute façon j'ai l'impression qu'on est beaucoup à prendre cette décision cette année, mais il y aura une vidéo toujours chaque semaine, et puis celle du mercredi, ça dépendra du temps que j'ai et de l'envie aussi, de la motivation et des idées, parce qu'en fait des fois c'est vrai que je sais pas quoi vous filmer pour le mercredi, parce que quand même 2 vidéos par semaine ça demande quand même beaucoup d'idées pour pas toujours refaire les mêmes choses, et puis alors même s'il y a certains rendez-vous qui reviennent assez régulièrement comme les book hauls, les avis lecture, les sorties du mois, etc. Il faut quand même 8 idées vidéo par mois pour en faire 2 par semaine, ce qui fait un petit nombre. Là pour demain je vais pas filmer et monter cet après-midi, et puis ça dépendra des semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop et j'espère que vous comprenez, mais il y aura des semaines où il y en aura 2, il y aura des semaines où il y en aura qu'une, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira comme ça. Là en tous les cas, mon avis, vous allez avoir une assez grosse vidéo à regarder dans ce vlog. Vous avez pas encore présenté Simone.
Donc ça, c'est Rasmus. Regardez Simone. Du coup, ça, c'est un cadeau que j'ai eu. En fait, elle est sur sa petite ardoise. Et à la base, c'est une petite fougère, comme ça. Et tout le pot, c'est en... Enfin, tout est végétal, en fait. Donc c'est de la mousse, de la terre, qui est tout agglomérée ensemble avec un petit filet qui contient. Et donc, il n'y a pas de pot. C'est juste posé sur une petite ardoise, comme ça. Et en fait, pour l'arroser, regardez. Il y a un petit bâtonnet, là, que j'enlève. Et faut insérer, c'est trop chou, une petite truc comme ça. Et là, faut lui donner de l'eau avec l'entonnoir une fois par semaine. C'est trop kiki, non? Alors, je vais lui mettre un petit sopalin parce qu'on est quand même sur une commode en bois et qu'elle peut avoir tendance à recracher un petit peu, Simone. Vous voyez, elle peut être un petit peu difficile. Petit entonnoir. Normalement, tu vois, genre là, vas-y. Ça coule un petit peu. Ah ouais, ça coule un peu, mais c'est hop. Pas mal. Genre... Hey Simone. Ah oui, Simone. Simone, Simone n'a plus soif. Simone ne veut pas du deuxième entonnoir. Simone a légèrement recraché le deuxième entonnoir. Je vous avais pas montré hier avec les chats et là Banzai va rentrer. Du coup, je vais vous insérer la vision aussi. Je vais vous mettre un petit encart juste ici avec la vision caméra. Vous savez, du petit robot. Coucou Banzai. Et vous voyez, franchement, la qualité elle est pas mal du tout. Ah, hein. Oh, il s'étire. Coucou mon bébé. Ça l'intrigue beaucoup. Bon, là, je suis coincée au canapé. Hein. C'est pour ça que je ne bouge plus beaucoup. Mais je peux aussi avancer vers lui. Je vais reculer par là-bas. Voilà. Et après, bah, écoutez, est-ce qu'il me suit si je me déplace? Est-ce que si j'avance vers lui, il s'en va? Banzai. Bon, il a beaucoup moins peur, donc en vrai... Oh, t'es beau. Voilà, c'était pour vous montrer rapidement. Là, il est midi, moi je vais retourner à ma petite lecture. Et puis la caméra, après, on s'en servira surtout, nous, pour bah, quand on sera pas chez nous. Donc c'était, je vous remontre la boîte, EBOSE. Et du coup, je vous mets le lien dans la barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, d'aller voir. Oui, mais moi, je vais seule, car personne... Je vous retrouve, on est mercredi matin, il est 9h15, on s'apprêtait à prendre le petit-déj et en fait juste après on va aller à la médiathèque du village où on habite parce qu'en fait ça faisait, bah, forcément depuis que je me suis lancée je bosse toujours de chez moi et parfois je pourrais ressentir l'envie d'aller me poser ailleurs. Le problème c'est que il faut pas que ce soit trop loin sinon je me décourage vite et genre par exemple bah, on habite en campagne, on n'est pas dans Angoulême même, c'est pas comme si je pouvais parfois sortir de chez moi et 5 minutes à pied aller dans un espace de cowork ou un café ou un truc comme ça pour me poser avec mon PC et il faudrait que je prenne la voiture, j'ai un quart d'heure de route et il faudrait que je me gare en ville, etc. Enfin bref, mille raisons pour me décourager avant même de partir. Et du coup là ce matin, et ben en fait j'ai réalisé qu'on n'était jamais allé à la médiathèque de là où on habite et du coup comme je m'étais dit, c'était dans le mois de décembre, j'en avais parlé avec une copine où on devait se voir pour faire du coworking parce qu'elle aussi elle bosse de chez elle et je m'étais dit que sinon au lieu que ce soit... chez l'une d'entre nous, ça pouvait être dans un espace neutre. Et là, c'est vrai que en 5 minutes à pied, on y est. Donc, on s'est dit ce matin qu'on allait découvrir ça. Donc, voilà. En plus, j'ai vu que de temps en temps, ils organisent des événements style des cafés littéraires. Donc, ça peut être cool de voir à quoi ça ressemble l'espace. Donc, voilà. Là, il est 9h15. On va prendre le petit-déj. Et puis, comme ça ouvre à 10h, on va y aller à l'ouverture. Voilà. Après, moi, sinon, aujourd'hui, je me suis fixé l'objectif. J'adorerais pouvoir finir mon livre. Donc, je suis arrivée à presque la moitié hier soir. Je suis à 45%. Rien de plus à vous dire sur le livre, ça se lit, je trouve que ça se lit bien, c'est-à-dire que en plus ça m'embête pas d'y retourner, genre je suis quand même bien dans la lecture, je me dis pas oh là là je vais devoir retourner lire le livre, je suis quand même, c'est quand même cool à suivre, mais franchement je m'attendais pas à ça, genre moi je voulais des jeux à gogo, des énigmes et puis flipper un peu pour la vie de l'héroïne, là bon on est plus elle enquête et tout mais
il n'y a rien pour l'instant qui me ce petit truc là qui me captive à fond. Donc écoutez, je vais voir, mais j'aimerais bien quand même qu'à partir du moment où on va dépasser la moitié, il se passe quand même plus de choses que ça. Voilà. Après, comme je vous dis, c'est agréable à lire, donc c'est pour ça que ça m'embête pas trop. Et puis ça se lit terriblement vite parce que c'est écrit genre comme ça dedans. Donc après, ce serait l'objectif de la journée d'arriver à finir ça. Et puis voilà. Sinon, hier je vous ai pas trop repris parce qu'en fait l'après-midi, j'ai un peu lu, comme je vous disais, j'arrive à la moitié, donc j'ai quand même un peu lu. Mais sinon, j'ai un peu geeké aussi. J'ai joué sur mon PC, et puis il y avait un truc que je voulais faire depuis des semaines et que on n'arrivait pas à trouver avec Tristan. Vous savez qu'on a changé de canapé et on cherchait une table basse et un meuble télé, et en fait on avait fait plein de magasins, alors en physique et site internet aussi, et franchement nous il nous faut une dimension précise au niveau du meuble télé, c'est entre deux baies vitrées, enfin entre la baie vitrée et la porte d'entrée, et franchement on trouvait rien, soit c'était trop grand, soit la table basse était trop large, enfin bon. Donc hier je suis contente, on a fait commande table basse, meuble télé, et il faut dire que ça m'a pris une petite partie aussi parce que j'ai vachement fouillé pour réussir à trouver. Mais donc voilà, donc la table basse devrait arriver fin de semaine et le meuble télé plutôt semaine pro, en espérant que ça convienne. Après, le soir, on a été se chercher un petit McDo pour manger devant le dernier épisode de La Roue du Temps, et c'était vraiment trop trop bien comme série, vraiment on a adoré tous les deux. Alors Tristan est en pleine lecture des livres en ce moment, et il dit que sur la fin ça diffère quand même vachement des livres, mais c'était plutôt cool. Enfin moi je sais que j'ai adoré, j'ai pas de comparatif avec les livres, et c'était vraiment trop bien. Bon, maintenant faut juste attendre au moins un an que la saison 2 sorte, je pense. Donc voilà, et je sais pas ce qu'on regardera comme série maintenant, va falloir qu'on en retrouve une. Donc écoutez, je vais manger et puis je vous reprendrai quand on va partir à la médiathèque. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont. Par les rues, l'âme en peine, oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils. On a choisi le jour le plus froid de la semaine. Il fait moins 4 au compteur. Mais du coup c'est beau parce que tout est blanc dehors. Enfin en vrai à la caméra vous voyez surtout du brouillard en fait, j'ai l'impression. Mais sinon tout est blanc. Et bon en vrai en marchant on va se réchauffer parce qu'on est qu'à 600-700 mètres. Là par exemple j'ai très très froid aux doigts. Donc là par exemple je vais ranger ma caméra. Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans les yeux et la main dans la main, j'aurai le cœur heureux sans perdre l'un des mains. Oui mais moi, non c'est pas ça. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Midi moins 10, on vient de rentrer de la médiathèque, du coup on y est resté hyper longtemps parce qu'en fait comme vous avez vu sur les petits plans, on s'est installé et on a lu. Franchement c'était cool, enfin surtout pour un truc à 500 mètres de chez moi, c'était hyper sympa. Ils ont quand même pas mal de titres assez récents, ils ont notamment les Chroniques Lunaires et le Faiseur de Rêves. Et là on vient de rentrer, d'ailleurs j'ai lu un livre en fait là-bas, alors c'est pas le genre de livre qui est censé je pense se dévorer en une fois parce que c'est un livre de développement personnel. Vous l'avez peut-être vu, je sais pas si le livre on le voyait quand j'étais en train de lire, mais c'est du coup le livre Toujours Plus de Léna Situation.
que j'avais pas encore lu alors qu'il est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou l'année d'avant, je sais plus. Et du coup, qui est un livre de développement personnel. Et du coup, on est plus censé peut-être prendre des conseils et tout, piocher. En fait, à la base, je voulais juste regarder comment il était fichu. Et puis, je l'ai lu en entier. Mais du coup, j'aime bien, de base, Léna, j'adore. Enfin, regarder. Je les regarde pas tout le temps, je les regarde plutôt par période. Mais ses vidéos, je trouve que c'est hyper, hyper positif comme ambiance et tout. J'aime bien ses vlogs et sa personnalité. Donc, j'étais curieuse de voir ça. D'autant qu'en ce moment, comme vous avez vu en début de semaine, j'ai acheté le livre. Miracle Morning, et d'ailleurs elle en parle dans son livre, donc je crois que j'ai pas mal envie en ce moment de lire des trucs de développement personnel. Ça a pas mal parlé aussi de son lancement sur YouTube, des projets, de la comptabilité, enfin pas mal de trucs en fait où j'ai pu y trouver des petits conseils et tout. Donc non, c'était cool, même si je pense que c'est plus un livre à la base de table de chevet que tu consultes de temps en temps et pas que tu lis en une heure et demie comme ça. Mais bon bref, j'ai bien aimé, donc voilà. Et là du coup on est rentré. On s'est acheté des petits trucs à manger parce qu'en fait, flemme de faire la cuisine en arrivant à midi. Donc on va manger d'ici peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure, je sais pas. Mais là, en attendant, je vais reprendre ma lecture. Il fait nuit, je crois que ça se voit à la qualité vidéo. Il est 20h et j'ai terminé le livre. Franchement, je suis trop contente de mon rythme de cette semaine parce que j'avais mis 20 jours à terminer Kelleana. Et en deux jours, en trois jours du coup, comme j'ai commencé le vlog lundi matin, j'ai lu Prospérine, toujours plus de Léna Situation tout à l'heure, et celui-là. J'aurais presque pu commencer un 7 jours 7 livres. J'ai mis la note de 16 au final, parce que en fait, côté hyper addictif, et du coup en fait, c'est moi qui m'attendais pas vraiment à la bonne chose. En fait, c'est plus une énigme à résoudre tout du long, du pourquoi cette jeune fille a été choisie pour avoir toute la fortune de l'homme. Qu'est-ce qu'elle fait là alors qu'elle ne le connaît pas du tout, et que pourquoi il a déshérité toute sa famille et c'est pas ses filles, etc. Qui ont eu toute la fortune. Et du coup c'est vraiment la résolution de cette énigme là. Et c'est vrai que je m'attendais beaucoup plus à une ambiance où elle allait être en danger et il y allait avoir des énigmes ou des épreuves ou des jeux un petit peu tordus où elle allait devoir s'en sortir pour sauver sa vie. Je m'attendais plus à ça, et donc du coup comme c'est pas trop ça, c'est ça qui m'a un peu perdue sur tout le début. Mais en fait j'ai quand même passé un super de lecture, dans le sens où c'était quand même assez addictif et où on se prend vite au jeu de résoudre aussi cette énigme. J'avoue que la deuxième partie du livre m'a quand même bien plus happée que la première, où la première j'avais quand même bien hâte que ça se lance, qu'on puisse avoir des explications ou en tous les cas un truc qui nous tient en haleine. Et du coup franchement c'était bien, la révélation à la fin je m'y attendais pas du tout, et du coup petit côté surprenant quand même qui était bien cool. Pas ce à quoi je m'attendais à accrocher encore plus, à avoir encore plus un côté épreuve et jeu, mais finalement j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Et si vous voulez un truc assez addictif qui se dévore rapidement, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc celui-ci en fait il aura même pas atterri dans ma pile à lire, il passe de reçu à livre lu, donc c'est plutôt cool. Quand même je suis contente parce que j'ai quand même pas mal de temps pour lire cette semaine. J'espérais que cette semaine j'avais pas mal de temps pour lire, et c'est vrai que par rapport au dernier vlog que je vous ai fait en décembre, où je pensais faire un 7 jours 7 livres et ça a été un échec total sur la semaine parce qu'en fait j'ai eu plein d'autres trucs à faire, là je suis contente d'avoir eu, d'avoir tout ce temps pour lire. Demain j'ai un petit travail quand même à faire par rapport à la boutique de bougies. J'ai eu une commande professionnelle. C'est vrai que je fais moins de ventes maintenant toutes les semaines, mais j'accepte les ventes plus, par exemple pour des projets de maisons d'édition ou d'auteurs qui vont sortir leurs livres, des commandes en gros on va dire, qui sont plus simples pour moi à faire et puis plus sympa, c'est de la commande personnalisée. Donc voilà, donc demain j'ai une étiquette pour une commande personnalisée à faire. Je le redis, pas pour une commande personnalisée de quelqu'un qui veut une bougie, juste une commande personnalisée en prévision de la sortie d'un livre, et du coup on me commande plus qu'une bougie, c'est vraiment plusieurs bougies. Et puis demain soir je clôturerai le vlog parce que je ferai le montage vendredi pour le poster dimanche. Donc là je vais juste choisir ma prochaine lecture, il est 8h, donc là on va se mettre à table et on va regarder un épisode de série, donc je pense pas relire ce soir. J'avais prévu à la base de lire Systra que j'ai reçu cette semaine en cadeau là, mais là après cette énigme qui m'a quand même pas mal retourné le cerveau, je pense que je veux prendre peut-être plus un plus petit jeunesse, ou en tous les cas un livre peut-être plus univers fantasy, mais fantasy magie jeunesse tranquille. Du coup je vais réfléchir un peu. Juste avant de lire Inheritance Games, j'avais hésité avec celui-ci, donc j'ai choisi Frost Earth de Jamie Littler. J'ai le tome 1 et le tome 2 dans la pile à lire. Hop, attendez, voilà, j'ai les deux tomes, ils sont trop jolis, et c'est des romans jeunesse tout illustrés. Et c'est surtout que je crois qu'il était dans ma pile à lire de l'hiver, donc il est jamais trop tard. D'autant que c'est vrai que ça fait quand même très hivernal, et vous savez, attendez, hop, focus. Voilà. Vous savez que j'associe beaucoup mes lectures avec la saison.
Donc là, on va y parler d'un monde recouvert par la glace, envahi par les monstres, et on va suivre Cendre qui a perdu, qui a été abandonnée par ses parents et qui vit sous la tutelle d'un yeti. Il a le pouvoir de dompter les monstres par son chant, et du coup il va être recruté par un équipage d'aventuriers qui sillonnent l'immensité à bord de leur traîneau, et est-ce qu'il va découvrir le mystère de ses origines? Je pense qu'il y a, bah, du coup, il y a de la magie, des créatures, le grand froid, avec des illustrations comme ça à l'intérieur. Donc bah écoutez, je pense que c'est le bon moment pour découvrir ce petit jeunesse. Franchement, il me fait super envie. Et j'en ai entendu... bah, en fait, j'en ai peu entendu parler. Je l'ai acheté parce que je l'avais vu sur une chaîne anglophone. Je sais plus exactement le nom. Je le mettrai dans la barre d'infos si j'y pense au montage. Mais je sais plus son nom. Mais en tout cas, c'était une de ses sagas fantasy jeunesse. Et je le revois en parler. Vraiment, il a fait plusieurs vidéos thématiques là-dessus. Et je comprends pas très bien, hein, les vidéos anglophones, etc. Mais en fait, quand j'avais vu sa miniature, j'avais cliqué parce que les couves, je les avais trouvées trop belles. Et en fait, j'avais su que bah, ça sortait chez les éditions Nathan peu de temps après. Donc du coup, bah, quand c'est sorti en français, je les ai achetés tous les deux en même temps. Donc voilà. Donc depuis, j'ai très très hâte de les lire. In these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby, let me in. Hello! Avec ma super serviette sur la tête pour que mes cheveux sèchent. je vous retrouve, j'ai un peu tardé à vous prendre ce matin. Ah mais il est 10h pile. Et j'ai commencé hier un chapitre du livre. Bon après, il faut aimer la littérature jeunesse comme moi et les illustrations. Mais regardez, dès le début, il y a des pages comme ça qui sont intégralement illustrées. Non, c'est pas trop beau. Genre, et puis tac, des choses comme ça avec très peu de texte. Bon, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Après, sinon, il y a vraiment beaucoup de texte. Hein. Mais je sens que je vais beaucoup aimer. Du coup, j'ai lu qu'un seul chapitre. Donc voilà. Objectif, c'est pas forcément de le terminer aujourd'hui. Je suis quand même contente dans le sens où c'est le quatrième jour de vlog et comme je vous disais hier, j'ai lu 3 livres. Je vais me faire couler un petit thé. Je vais commencer, je pense, la journée avec l'étiquette que je dois faire. Comme ça, je pourrai directement envoyer à la cliente les premiers jets de ce que je lui propose. Et puis, j'aimerais vérifier mon matériel de bougie après, mais ça, je vais pas vous prendre avec moi parce qu'il y a aucun intérêt. Je fouille juste dans les cartons. Et après, je me mettrai à ma lecture. D'autant qu'aujourd'hui, j'annonce, j'ai très très envie de jouer aux Sims. C'est par période, moi, les Sims. Des fois, je vais pas y toucher pendant 8 mois. Et puis après, je vais être un mois à fond dessus. Et là, ça m'a pris globalement il y a 3 semaines, un peu avant Noël, je dirais, où j'ai commencé à y jouer. Et en plus, je regarde des vidéos de filles qui jouent aux Sims. Et elles lancent des challenges de temps en temps. Et moi, je me régale à essayer les challenges. Donc là, j'ai très très envie de jouer aux Sims cet après-midi. Donc je vais certainement beaucoup moins lire que les autres jours. Mais bon, je suis quand même contente de mon rythme de la semaine. Et demain, ce sera hors vlog, mais ouais, j'aurai quasiment, je pense, une journée de montage parce que les vlogs, ça met énormément de temps. Et puis, bah ouais, la préparation, j'ai une collab à faire vérifier, donc il faudra que j'envoie. Bon allez, c'est parti. Tristan vient de partir à l'escalade, donc comme le lundi et le jeudi, il y va tous les lundis, tous les jeudis. Et cet après-midi, alors j'ai peu lu, j'ai rattrapé pas mal de retard en fait dans mes vidéos booktube, j'en avais quelques-unes à rattraper. Et en fait, j'ai tilté parce que j'avais
pas mal de vidéos de retard, notamment sur une semaine et demie, deux semaines. Et j'ai regardé la dernière vidéo de, je crois que c'est sa dernière ou son avant-dernière, de Audrey, Le Souffle des mots. Et en fait, elle a fait une vidéo la semaine dernière sur visite de bibliothèque pour s'inscrire, etc. et pour avoir accès à plein de livres gratuits. Donc ça fait grave écho, enfin ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait après, fait grave écho à sa vidéo. Donc j'ai trouvé ça drôle. Bon, même si elle, elle y allait pour emprunter notamment des mangas dont elle voulait la suite. Alors que moi, c'était plus pour me poser. Moi, je compte pas forcément prendre une carte d'emprunt parce que en fait, j'ai déjà trop de livres. Donc elle, je sais qu'elle en a aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a aussi le côté qui est pas mal. Peut-être un jour, si je vois une suite de séries, notamment plus manga BD, parce que roman non, mais manga BD ça peut être sympa. Mais en tous les cas, voilà, j'ai trouvé ça drôle d'y avoir été la semaine et puis d'avoir vu cette vidéo aujourd'hui. J'ai un petit peu joué aux Sims comme je vous avais dit, et puis j'ai lu, je viens d'arriver à la page 100. Donc vous voyez, je suis encore au début quand même. D'ailleurs, il y a combien de pages? Il est quand même assez gros en fait. Ouais, il y en a 450. Mais bon, comme c'est du jeunesse. J'aime trop. Pour l'instant, j'aime trop. J'avoue que la beauté des illustrations, moi je surkiffe vraiment. Petit focus. Voilà, ça rajoute tellement plus que... Franchement, tous les livres jeunesse devraient être illustrés. Vient le moment de clôturer ce vlog. Je pense qu'il va être long en plus. Du coup, je vous reprends. Il est 22h15. Tristan vient de rentrer de l'escalade. Et du coup, je vais m'arrêter parce qu'on va manger et on va regarder un épisode de série. Donc du coup, je suis à la page 170 de mon livre. J'ai bien avancé quand même, même si je n'ai pas fait que lire. J'adore. Vraiment, j'adore. Déjà, c'est magnifique. Je vous ai montré quelques plans. C'est vraiment l'ambiance là pour moi qui me plaît trop. En plus, c'est vraiment dans des paysages enneigés. Je savais que j'allais adorer, mais ça part très très bien. Et du coup, je suis même en train de me dire que quand j'aurai fini le tome 1, je lirai peut-être le tome 2 parce que j'ai les deux dans ma pile à lire. Très très bonne lecture. Et du coup, je suis contente de clôturer le vlog sur ça. Voilà, n'hésitez pas encore une fois comme d'habitude à échanger avec moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou pour toute autre chose dont j'ai parlé dans ce vlog là. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog, donc ça m'a fait trop plaisir de filmer cette semaine et de pouvoir vous reprendre comme ça et parler un petit peu tous les jours avec vous. Franchement, ça m'avait manqué, donc je suis trop contente. Et puis écoutez, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.